toegang geeft tot het fort. De SS'ers jagen de gevangenen op als beesten. Hun geschreeuw in de onderaardse gang is huiveringwekkend. J'avais 16 ans, bien 16 ans et demi, j'allais avoir 17 ans, un mois ou deux après. Et je voyais les soldats avec des armes, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je savais que c'était la guerre, mais enfin, je n'avais jamais vu une guerre. De gevangenen die niet in grote groepen hier toe kwamen, werden met hun gezicht tegen de muur gezet. Die konden hier soms uren en uren staan. Een eerste aanwijzing voor de gruwelijkheden die later op hen zou toegepast worden. On était là devant le mur et les soldats, à un moment donné, ils ont fait marcher leur fusil, comme si on charge un fusil. Et l'autre a donné des ordres et nous, on croyait qu'on allait tirer sur nous, qu'on allait nous fusiller dans le dos. Puis à un moment donné, il a donné l'ordre d'arrêter et ils ont déposé leur fusil et ils ont ri. Ils ont rigolé entre eux. Donc pour eux, c'était comme ils avaient fait une farce, quoi. Et puis j'arrive ici, ce sont les cris, les hurlements, le nez contre le mur, les coups de matraque. C'est-à-dire, on est dans un monde de fous ici. Hein. Je pensais, et j'y ai pensé, je le rappelle, à le texte de la Divine Comédie de Dante. Celui qui entre ici perd tout espoir. C'est absolument un conditionnement moral extraordinaire. De gedetineerden krijgen oude uniformen van het Belgische leger, vernedering te meer. Elke dag zullen de patriotten voelen dat hun land verslagen is. In die knieën roer, häftlingen stilgestanden, die ogen rechts, stilgestanden, vervloegde honden. Het dagelijkse appel is het favoriete speelterrein van Praus, waar hij de gevangenen verder kan vernederen met kadaverdiscipline en lijfstraffen. J'avais une chaussure normale et l'autre chaussure était plus grande. Mais quand on devait s'aligner dans la cour, il fallait s'aligner après les chaussures. Alors, les premières fois, j'ai reçu une raclée parce que je n'étais pas aligné, je me demandais pourquoi, et je me suis aperçu que c'était à cause de mes chaussures. Alors, quand le SS passait devant, je mettais le bout de mes chaussures bien droit. Quand il passait derrière, ça m'enlève une chaussure pour que les talons soient bien droit. Ce sont des fantaisies, c'est ridicule, c'est idiot, mais c'était comme ça. Tous les nez devaient être alignés, tous les torses. Il ne pouvait pas y avoir un torse qui dépassait celui d'un autre. Et moi, comme j'étais plus ou moins récent, j'avais encore une torse assez athlétique. Et il est passé devant moi, et probablement que mon torse dépassait probablement de quelques centimètres ceux des autres dont le torse était plutôt rentré, et bien j'ai reçu un de ces coups de poing en plein dans l'estomac, n'est-ce pas? Et on a commencé avec les insultes habituelles. Ja, ja, die Schweine haben gut geschlafen und gut gefressen und können schnell arbeiten. Ce qu'il dit, hein, c'est bien, mais il devrait employer la voix comme tout à l'heure. Parce que ça, c'est une voix trop douce et trop humaine pour prose. In de wereld buiten Breendonk woedt de slag om Engeland. Duitsland krijgt Albion niet op de knieën. Voor het eerst lijkt de oorlogskans te keren. In september, 40 or 50 squadrons of British fighter aircraft broke the teeth of the German air fleet at odds of 7 or 8 to 1. De hardnekkige verdediging van de Britse Royal Air Force maakt de Duitsers uitzinnig van woede. In de kampen moeten de weerloze slachtoffers van de SS het bekopen. Van enige mildheid is geen sprake meer. In Breendonk organiseert de SS onder leiding van Praus de meest krankzinnige dwangarbeid. De gevangenen moeten het fort dat bijna volledig onder de grond ligt afgraven. 250.000 kubieke meter aarde, een Sisyphus-arbeid die de gedetineerden moreel en fysiek moet kapotmaken. Les travaux se faisaient du bas vers le haut, c'est-à-dire qu'il fallait donc pelleter à ses pieds et rejeter la terre vers le haut. Donc, ce qui était d'autant plus difficile et d'autant plus pénible, sur des terrasses, des plateformes, si vous voulez, qui faisaient escalier pour arriver à hauteur de ces bennes. Die wagonnetjes die moesten geladen worden, naar beneden, over de brug, van een andere kant van het toit, daar gaan kippen en dan terugkomen. Een looppas, hè. Daar zijn bewakers, die moesten enkel maar toekijken
dat de gevangenen niet zouden trachten weg te lopen of dat ze wel aan het werken waren. Als zo een van die karretjes omkipte waar het niet mocht en zo, dan werd er geslagen tot en met. Weitermachen! Snel, sneller, mach doch schon! Verfluchte Hunde, mach mal! Lebhaft, lebhaft, komm, schnell, schnell! Ça c'est bien. Si on lui met un truc avec, il est bon. Oui. Avec ces Allemands, là, ça n'allait jamais assez vite. On n'allait pas se dépêcher. Ça devait durer le plus longtemps possible. Quand ils voyaient ça, ils venaient furieux. Alors ils venaient frapper. Arthur Prince prenait votre pelle. Ouais, vous êtes des imbéciles, regardez. Alors il prenait des pelles. Il les jetait à 10 mètres de haut et après la pelle sur votre tête. Et voilà comment il fallait faire. Il fallait surtout travailler des yeux. Surveiller les cesses, voir dans quelle direction ils se tournaient. Arrêter, plier, et dès qu'il revenait, reprendre le travail pour échapper, ne fût-ce qu'économiser quelques secondes d'effort. Ils avaient estimé, encore une fois, selon leur tête à eux, qu'on n'avait pas bien travaillé. Alors bon, alors on devait se mettre en rang, et alors ils commandaient marche-marche, c'était courir. Hein. In leg, se laisser tomber. Alors, marche-marche, se redresser, courir. In leg, de nouveau, se laisser tomber. Il faisait ça pendant, allez, bon, je ne vais pas exagérer, une demi-heure, trois quarts d'heure. Hein. Alors bon, on était tous... Et quand on entrait dans la chambre, du fait qu'on avait dépassé l'heure de la distribution de la bouffe, on n'a pas reçu à bouffer. 17 februari 1941 valt de eerste dode. Kameroverste Walter Obler, zelf een gevangene, maar een handlanger van de SS, is daarvoor verantwoordelijk. Des morts au travail, il y en a eu. Des morts d'épuisement aussi. Et puis nous avons eu le premier mort, victime d'un Zugführer, d'un chef de chambrée, mon chef de chambrée, Walter Obler, un juif berlinois, voyant arriver Nathan, qui était asthmatique, qui a failli étouffer à sa première nuit de brain dump, car il n'arrivait pas à bien respirer en étant couché, qui a été mis au travail le lendemain, qui, épuisé, n'arrivant plus à pousser sa brouette, s'est fait interpeller. Je lui ai dit en passant devant lui, « Courage, essaye de tenir le coup. » Il a été ramassé par Obler, a été le jeté dans l'une des cellules où il est mort. Ça a été le premier mort de brain dump. Die dag beseffen de gevangenen dat brain dump